Quelles sont les réformes de croissance prioritaires dans l'Union européenne? Quelle stratégie adopter pour les mettre en œuvre? C'est le thème examiné par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective lors d'un séminaire commun avec l'OCDE. Objectif, identifier les réformes structurelles les plus pertinentes dans un environnement difficile, en prenant en compte l'ensemble de leurs critères de réussite. Les réformes structurelles sont conduites forcément avec plusieurs critères qui sont pas seulement la croissance, mais aussi des critères de justice, de répartition, des critères d'environnement et d'autres critères qui peuvent être des questions géopolitiques ou des questions territoriales. Pour ça, on s'est appuyé sur les travaux de l'OCDE, qui s'intéresse beaucoup à tous les impacts des réformes structurelles. Et nous avons invité d'autres économistes à intervenir avec une diversité de profils et d'écoles de pensée qui permettaient d'aborder justement cette question un peu d'hétérogénéité des critères. Pour renouer avec la croissance sur le long terme, les économistes ont d'abord cherché à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. La discussion a beaucoup porté sur les politiques macro, en fait, et leur responsabilité dans le contexte difficile actuel en Europe. On s'est préoccupé des déficits et des problèmes budgétaires trop rapidement, et du coup, ça a enlevé à peu près toute chance aux réformes structurelles de pouvoir réussir. S'il n'existe pas de stratégie unique pour réformer l'Europe, il est indispensable d'assurer une cohérence entre les différents pays. Pour y parvenir, les débats ont fait émerger plusieurs pistes de réflexion. Certains experts ont notamment proposé de changer de regard sur les entreprises afin de remodeler la politique industrielle à l'échelle européenne. Une des suggestions importantes qui a été faite était de ne pas raisonner entreprise par entreprise et de considérer qu'un marché c'était une somme d'entreprises, mais plutôt qu'un marché c'était la rencontre d'une offre et d'une demande, et surtout un système d'entreprises qui à la fois était en concurrence certes, mais aussi en coopération et en particulier pour tout ce qui relève de l'investissement. Autant d'idées qui serviront à alimenter les réformes proposées par le CGSP dans le cadre du projet France dans 10 ans.